C'est l'image forte de ce jeudi. Pour la seconde fois en 24 heures, un groupe d'Iraniens a choisi de se coudre la bouche pour dénoncer le démantèlement du camp de la jungle à Calais. La scène s'est passée devant des photographes et des caméramans dans la zone du camp vouée à être évacuée. Nous sommes des êtres humains et maintenant, allez-vous nous entendre ? Des messages adressés aux autorités, notamment françaises, au quatrième jour du démantèlement controversé du camp de Calais. Les Britanniques décidaient à faire un geste pour régler la crise des migrants. David Cameron a annoncé une aide de 22 millions d'euros affectée à des infrastructures prioritaires de sécurité à Calais pour soutenir notamment le travail des forces de l'ordre françaises. Réunis à Amiens ce jeudi pour le 34e sommet franco-britannique, David Cameron et François Hollande ont aussi appelé Moscou à cesser immédiatement les attaques contre l'opposition modérée en Syrie. La crise des migrants également à l'ordre du jour de la rencontre à Athènes entre Donald Tusk, le président du Conseil européen, et le Premier ministre grec Alexis Tsipras, avec cette déclaration sans ambiguïté de Donald Tusk. « Je veux lancer un appel à tous les migrants économiques illégaux potentiels, d'où que vous soyez, ne venez pas en Europe. » L'État français a récupéré une somme record de 21 milliards d'euros en 2015 grâce au contrôle fiscal. Une performance due à un meilleur contrôle des entreprises et à la politique de régularisation des exilés fiscaux. C'est notamment l'arsenal mis en œuvre par la France pour pister les détenteurs de comptes à l'étranger qui a fait la différence. C'est un peu David contre Goliath. L'US Granville, classé en 5e division, affronte ce jeudi soir l'OM de Marseille en quart de finale de Coupe de France. Le petit club y va le cœur léger. Notre compétition l'a déjà réussi, a déclaré l'entraîneur. Par contre, l'OM a beaucoup à perdre.